Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur A Plague Tale Innocence et nous sommes en train de suivre Hugo qui s'est rendu compte qu'il y avait Regarde, un... c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Un symbole. Les armoiries d'alchimiste, peut-être. Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens, allez, par ici. Qui a un symbole, donc ici, là, qui ressemble à un symbole qu'il y a dans la grande cour. Je vérifie quand même qu'on peut rien fabriquer. Non, toujours pas. Ok. On va regarder. Attends. Ok, et l'arbre. J'imagine que ça va être lui. Hop là. Oh, papillon. Où vous allez? Il me tombe pas. Tu t'es fait de nouveaux amis? Oui. Oh, pourquoi il vole, il flotte? Amicia? Pardon d'être malade, Amicia. Mais non, mais t'y peux rien. Non, non. Petit bouchon, va. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas! Et Arthur? Viens voir les papillons! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais... en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Ouais, mais je t'aide pour Arthur. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Merci. Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Oh, il est bien inquiet et tout. Je vais partir sans lui? Je me sens toute nue, moi, sans mon frère. Ça va pas, oui? Ça va faire trop bizarre. Rejoindre Mélie dans la grande salle. Attendez. Père. Mère. Vous serez toujours ici. Avec nous. Horrible. Ah bah la fleur, je le savais! Qu'est-ce que tu as trouvé? Tiens, c'est du millepertuis. Oh, ça te protégera pour aller à la ville. Elle doit être très puissante. Oui, c'est une très bonne fleur. Elle te va bien. Merci. Millepertuis, aussi appelée herbe de la Saint-Jean. Symbole d'animosité, mais aussi de protection et de lumière, le millepertuis est considéré comme un remède à la mélancolie et autres afflictions mentales. Malgré son surnom de chasse-diable, son ingestion peut tout de même significativement perturber le rythme cardiaque. Enfin, toutes les fleurs, de toute façon, un petit peu, hein, sont pas hyper bonnes pour le rythme cardiaque. Ok, bon, cette histoire d'armoirie, du coup, ça ne donne rien. Je peux pas aller voir ce qu'il y a derrière, on dirait qu'il y a une espèce de chariot. Est-ce qu'on voit les armoiries, là? Ok, on va le laisser avec les papillons.
On va regarder si on n'a pas d'autres trucs à récupérer avant. Parce qu'on n'a rien ramassé, j'imagine qu'à l'établi, on peut toujours rien faire. Toujours rien, non? Bon, au moins, par contre, on a un établi chez nous. Ce qui fait qu'entre chaque épopée, on pourra aller récupérer notre établi à nous. Plus besoin d'attendre d'en croiser quelque part. Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Wow. Très joli. Iconographie. L'alchimie fascine autant les hommes de science qu'elle inspire les artistes. Le symbole récurrent du lion dévorant le soleil est une allusion à la dissolution alchimique. Cette opération, durant laquelle le vitriol s'attaque au soufre, a pour but de séparer les substances brutes des substances subtiles. Elle est magnifique. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. C'est vraiment très très beau. Retour. Ok. J'ai eu l'espoir, un instant, que ce soit quelque chose pour fabriquer. Bon, laisse tomber, on part avec Mehdi. Go. Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord. Ok. J'ai compris. Ça a l'air super dangereux. Super dangereux. Chapitre 9, dans l'ombre des remparts. Ouïouïouï. Ouïouïouïouï. Bon. C'est le sanguinis quelque chose qu'il faut qu'on récupère. Et j'aimerais vraiment qu'on récupère Arthur aussi, tant qu'à faire. Qui a juste risqué sa vie pour nous et on est pris à le laisser tomber comme une vieille chaussette. La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentille. Chut, c'est bon, on est arrivé. Crouch. D'accord, elle court tranquille alors que moi je crouch. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Ah ouais, d'accord. Et si la morsure est là, alors il y a... des rats. Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Putain. Oh non. Aïe aïe aïe. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Oh. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort? Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. Il est tout seul. Attends, tu peux ouvrir? Amélie. Ouais. Je t'ouvre ça, et je file m'occuper d'Arthur. D'accord, mais au fait, c'est où l'université? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... Ok, j'ai peur. Tu penses qu'on se reverra? J'espère bien. Tu m'es redevable. Merde. Ça veut dire que t'as pas le droit de mourir. Je ferai de mon mieux. Voilà. Allez. Passe. Merci beaucoup, Mehdi. Bon courage pour Arthur. Et vous venez à la maison, hein. Vous êtes chez vous, chez Bonne nous. Bonne chance. Toi aussi. J'ai peur, je vais être toute seule. Ah, je suis toute seule. Ah, complètement toute seule. Sans Go, sans Mehdi, sans personne. Oh non. C'est la merde. J'ai peur. Allez, viens. On doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, bah, on a presque fini. Je suis pas faite pour rester toute seule. On va pouvoir accélérer les opérations. C'est pas où aller. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Je sais pas où aller, c'est trop grand. Ok. Je peux... Je suis inventaire plein. Et ça? Non? Je vais fabriquer un dévorantis. Hop, ok. Ok. Bon, au moins l'avantage c'est qu'on sait où il faut pas aller. Derrière eux, on va aller à gauche. Putain, c'est tellement calme sans mon frère. Horrible. On monte.
dans le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Ok, très bien. Oh là là, c'est tellement silencieux, c'est horrible. J'ai trop peur de me faire repérer. Wow. Là-bas, ça doit être l'université. Le clocher ? Cette lumière, j'aime pas ça. Oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ok, on descend. Bon, c'est vrai que c'est pas tout près. Mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Putain, j'ai aucune idée de comment j'y vais, mais... Sois linéaire, pitié. Aide-moi, le jeu. Je sais pas comment aller là-bas. Dis-moi quoi faire. Hé, hey, toi, là-dedans. T'es un des derniers, alors sors de là, ou on vient te chercher. Horrible. Ils vont aller le chercher? Foutu bourgeois. Ok, on descend. On descend. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Où est-ce qu'il faut que j'aille là? Oh putain, merde, je sais pas par où aller. On va essayer de descendre. Je pourrais aller à droite. Non, y'a rien. Non, y'a rien. Ok, Emily, elle est pas là. Elle peut pas m'ouvrir la porte. J'ai cru voir un truc. Non, y'avait rien. Y'avait rien du tout. Attention. Tu peux rentrer chez lui. Non, que dalle. Ok. Des pierres. Ça va mettre. La loi martiale est instaurée et la ville sous contrôle de l'Inquisition. Toute personne encore présente en ces lieux sera arrêtée et exécutée. Terra plus l'Inquisition. La loi martiale ? Yes. C'est incroyable. Pourquoi faire ça maintenant ? C'est la merde. Cache-toi. Non, le jeu, aide-moi. Je fais de la merde. Attendez. Devrantis. Je peux peut-être faire Devrantis, ouais. Devrantis. Et après le tuer. On va essayer. On va attendre qu'il soit là. Et on va lui lancer. Caillou. Non, attendez. Ok, c'est bon. J'ai eu un petit moment de... Je ne sais plus comment on fait. J'ai appuyé sur cette RL en fait, donc forcément c'était la merde. Allez. Allez, allez, poussez-vous les rats. Hop. Super. Comment je fais maintenant? C'est bien, mais je dois aller là-bas. D'accord. Pour aller là-bas, je peux peut-être passer par là. Récupérer ça. Repasser par là. Faire ça et aller bah, là-bas, tout bêtement. Ok. Ouh, c'est tellement chaud. Heureusement que je l'ai tué, hein. Parce que c'était la merde. Bah, c'est soit je peux récupérer des pots. Non. Crouch comme ça. Ok, c'est parti. J'espère que ça m'a sauvegardé parce que j'ai galéré un peu. Hein, entre nous. J'ai pas mal galéré.
On va essayer de faire le tour. Oh, elle est où l'université, putain? Si c'est sauvegarde, tant mieux. Va essayer de cocher des trucs avec putain. Ses bras dans les pattes. Tu vois qu'il est discret. Tu sais ce que c'est lui. Je peux tuer sa lanterne. Lui, je peux pas. Moi, le carlate, il vient au chaud au bastion. Et tous les autres font comme moi. Je les charme de la nuit. Ok. Mais donc ça, moi, je peux pas être mêlé à thérapie. Ok. Comment je peux faire? Je le tire là, ça fait quoi? Ouais, bah j'ai pas trop le choix en fait, je pense. Ça va se passer comme ça. Bam. Voilà, ça c'est fait. Et un de moins. Alors. Super. Je peux ramasser plein de trucs cool. Ok. Là non, d'accord. Ah bah oui, au moins ils sont occupés. Ils sont occupés à la bouffer. Par contre, je suis pas sûre que ça va les occuper très longtemps. On se dépêche, s'il te plaît. Merci. Oh là là. Oh putain, c'est tellement chaud. Oh. Allez. Je peux refabriquer ça. Et du coup, je peux ramasser tout ça, super. Alors. Avançons. Y'a personne? Je peux y aller? Ça sauvegarde, super. Comment on va faire pour déplacer tout ça? Qui a parlé? Qui a parlé? Oh putain. Horrible. Je t'avais dit qu'on avait plus le temps. Putain. Mais, et les affaires de papa? T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir! Si l'Inquisition nous prend! Mais, Vera, putain, la merde! Est-ce que c'est partout comme ça? J'ai l'impression que c'est partout comme ça. Horrible. On va refabriquer un dévorant de 6. Comme ça, on ramasse encore tout seul. Ça nous fait de la réserve. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah, je peux aller là. Vas-y. On va rester sur les toits un maximum tant qu'on peut. Oh là là. Oh là 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 là. Descends. C'est horrible d'être tout seul là. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce que je peux fabriquer encore? Du dévorantis. On va plutôt fabriquer des nénuphars. On va fabriquer aussi du dévorantis si je peux, voilà. Faire que je passe dans les flammes. Dans les flammes, dans les rats. C'est la suite du chemin? Ou c'est par là? Putain, faut que j'aille, je sais pas, je suis perdue. C'est tellement grand. Est-ce que c'est la suite ou est-ce que c'est ça la suite? On va essayer d'aller là. Voir ce que ça donne. J'ai un peu peur, mais bon. Ok. J'ai vu un truc qui brillait, donc je savais que je pouvais venir, mais... J'avais peur que... Que ça me tue, en fait. Ah non, c'est pas la suite. Ah! Ah! Quelle horreur! Ils m'ont pas mordu, bah dis donc. Coup de bol. On repart, hein. On repart, on repart, on repart. C'était pas la suite. Très bien. On a bien fait de faire comme ça, finalement. On va quand même récupérer du bois. Et l'emmener avec nous, au cas où. Voilà, comme ça au moins,
On sait jamais. Si j'ai besoin, j'ai du bois. Je sais pas où je suis. Mais au moins, je suis encore en vie. Ouais, je suis encore en vie, ouais. C'est ce qui importe. Et reste-y sagement. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari! C'était ton mari. Quoi? Il est condamné. Fiche le camp. Pas toute seule. Je peux pas partir sans lui. Ça ferme. Horrible. La loi martiale, tu connais? Tu veux crever avant lui? Il a raison, oh, Anna. Je suis contagieux. Reste pas là. Écoute-le. Tire-toi. Maintenant. Oh mon Dieu. Ah, vous m'épuisez avec vos conneries. Connard. Pas signé pour ça. Quel connard. Bon. Eh ben, je sais pas comment on va aller à l'université, mais on va essayer d'aller à l'université. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite pour aller trouver le Sanguinis. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.